Salut tout le monde, est-ce que ça va? Notre leçon aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire intitulée... Grammaire, notre leçon aujourd'hui, c'est la cause. J'observe et je découvre. La phrase A, les rues sont animées car c'est Ramadan. Il se couvre parce qu'il pleut. Comme le sac est lourd, il prend un taxi. Il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Donc, les rues sont animées, car c'est Ramadan, Ramadan. Il se couvre, parce qu'il pleut. Il pleut parce que il voit le matar, il escorte le matar. Comme ce sac est lourd, il prend un taxi, chauffe de taxi. Il n'a pas jeûné l'amiasson à cause de sa maladie. Mais c'est pas bien malade. On va répondre aux questions. Quelles questions peux-tu poser pour obtenir ces réponses? شنو هو السؤال الذي يمكن أن تضعه لكي تحصل على هذه الجملة تكون أجوبة؟ La question c'est pourquoi? لماذا? On pose la question pourquoi? لماذا? Exemple, pourquoi les rues sont animées? La réponse, les rues sont animées car c'est Ramadan. لماذا الشوارع ممتلئة أو هذا؟ لأنه رمضان. Pourquoi il se couvre? لماذا يختبئ? Il se couvre parce qu'il pleut. يختبئ لأنه يسقط المطر. Question numéro 2. Que veut-on savoir en posant ces questions? ماذا تريد أن تعرف بوضعك لهذا السؤال? Donc, ملي كنقولوا pourquoi, اش نقلبوا؟ تنقلبوا على سبب. Donc, ici, dans la question 2, on veut savoir la cause. Sebab. Quelles sont les expressions qui expriment la cause? Chnoum al-ibarat qui exprime la cause. Donc, la phrase A. On a l'ibarat car. Li anna. La deuxième phrase. Parce que. Li anna. Nafs l'ma'na. Parce que y a car. La phrase C. On a عبارة l'expression comme لما أن et la phrase la dernière phrase à cause de بسببي donc ce sont les expressions pour exprimer la cause. Question numéro 4. Dans la phrase C, où était placée l'expression comme? On va voir la phrase C. La phrase c'est comme le sac est lourd, il prend un taxi. L'expression de qui exprime la cause c'est comme. Elle est placée où? Elle est placée au début de la phrase. Comme tu j'ai deux fubidiyat le kalima. Dans la phrase D, est-ce que la cause est une action favorable? Donc, la phrase D, هذاك سبب favorable, يعني هل هو سبب جيد أم سبب سيء? Favorable, ijabi, ou défavorable, silbi. Donc ici, non, c'est la cause ici, c'est une cause qui n'est pas favorable. Elle est défavorable. Yani, meshim ziyana, yakhayba, silbiya. Donc, je retiens hier qaïda. On l'appelle cause, le motif. On l'appelle cause, nous sommes mes sabab, le motif. Le motif, c'est le sabab d'une action. هو السبب ديال هذا واحد الحادث او لوريجين دان ايفينمون او الاصل ديال واحد الحدث المتسبب في ذاك الحدث. Pour dégager la cause on pose la question pourquoi. لمعرفة السبب نضع السؤال لماذا. Pour exprimer la cause on utilise les expressions donc للتعبير عن la cause كنستعمل مجموعة من العبارات. Car, parce que, comme, puisque, à cause de,
grâce à بفضل هنا العكس a cause de كنستعملو في حاجة اللي ما مزيناش grâce à كنستعملو في الحاجة اللي كانت مزيانة par manque de نقص في الشيء faute de بخطأ الشيء donc remarque ملاحظة comme expression de la cause se met toujours en tête de la phrase comme كنستعملوها دائما في بداية الجملة à cause de par manque de faute de s'emploie pour une action qui est défavorable donc هاد العبارة كنستعملوها في حاجة اللي هي سلبية exemple il a été puni à cause de ses bêtises عوقب بسبب البسالات اللي كيدير des bêtises شغب il redouble par manque de travail redoubler يعني كرر بقلة عمله 3 grâce à s'emploie pour une action favorable grâce à كنستعملوها الا كانت عندنا واحد الحدث اللي هو ايجابي exemple القروج a remporté deux médailles grâce à sa persévérance donc القروج هنا حصل على جوج ميداليات بفضل الإرادة والعزيمة donc je relis la règle je retiens on appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement 1 pour dégager la cause on pose la question pourquoi 2 pour exprimer la cause on utilise des expressions suivantes car parce que comme puisque à cause de grâce à par manque de faute de remarque mulahada 1 comme expression de la cause se met toujours en tête de la phrase à cause de par manque de faute de s'emploie pour une action défavorable exemple il a été puni à cause de ses bêtises il redouble par manque de travail 3 grâce à s'emploie pour une action favorable. Exemple, le Guerrouge a remporté deux médailles grâce à sa persévérance. Maintenant, on va passer, je retiens avec, je m'évalue. Recoupez les phrases, puis souligne l'expression de cause. On colle Jumal, Tumma, Da'asatran, Tahta, Ibarat, Dalla, Ala, la cause. La phrase A. Le directeur, comme le directeur est occupé, il ne peut pas recevoir. بما أن المدير مشغول لا يمكنه أن يستقبلكم. B. داكيا parle bien de sa ville, car elle l'aime beaucoup. داكيا تحب مدينة تتحدث كثيرا عن مدينتها لأنها تحبها. Le professeur te récompense, الأستاذ يكافئك, parce que tu connais les cinq piliers de l'islam. لأنك تعرف الأركان الخمسة للإسلام. D. Nous n'irons pas faire les courses. ما غاديش نديرو التسوق لي كورس. والتسوق par manque de temps حيت ما عندناش الوقت. Vous vous faites des amis كتدير الأصدقاء ديالك grâce à votre bonté بفضل طيبوبتك. Pour je m'évalue Transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. Donc, حول هذوك الجمل بتغيير العبارات اللي كتدل على la cause بهذه العبارات جوج grâce à ou là à cause de. La phrase A. Ils se sentent heureux car la fête approche. تشعر بالسعادة لأن العيد اقترب. B. Puisque la pluie tombe, le match sera annulé. بما أن المطر يسقط. المباراة أنولي يعني أجلت ألغيت تم إلغاؤها أنولي لإلغاء فوت دارجون بسبب المال إل ني با بارتي على مكة لم يذهب إلى مكة tu réussis ton travail نجحت في عملك parce que tu as de la volonté لأن لديك العزيمة je respecte les règles de l'islam احترم قواعد الاسلام car j'ai la foi en Dieu لان لدي الايمان بالله donc
arrêter la vidéo, dire pause la vidéo ou un geste tamarin. Et maintenant, on va passer pour faire la correction. Donc pour je m'entraîne, donc on va souligner les expressions qui expriment la cause. La cause, la première phrase A, on va souligner comme, B, car, C, parce que, D, par manque de, et E, grâce à. Maintenant, on va passer pour faire la correction de la phrase, la partie de je m'évalue. Alors, elle se sent heureuse grâce à l'approche de la fête. Elle se sent heureuse. Donc, ici, on a utilisé grâce à une action favorable. La phrase B, le match sera annulé à cause de la tombée de la pluie. Donc on a utilisé C à cause de. Défavorable. Il n'est pas favorable. C, elle n'est pas partie à la Mecque. لم يذهب إلى مكة à cause de l'argent. لم يذهب إلى مكة بسبب المال. Donc à cause de هنا حاجة défavorable سلبية استعملنا à cause de. Tu réussis ton travail grâce à ta volonté. نجحت في عملك بفضل الإرادة. الإرادة هو شيء favorable يعني شيء إيجابي جيد. Donc on utilise ici grâce à. Je respecte les règles de l'islam grâce à ma foi en Dieu. احترم اركان الاسلام او قواعد الاسلام بفضل ايماني grâce à ma foi en Dieu. Donc, notre leçon touche à sa fin. Merci de bien suivre la leçon. Si vous avez une remarque ou bien vous n'avez pas compris quelque chose, veuillez laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. إذا درسنا أشرف على نهايته، شكرا لكم، وإذا كانت لديكم ملاحظة المرجو وضعها في تعليق أو لم تفهموا شيء ما ضعوه في تعليق، ولا تنسوا الاشتراك لكي يصلكم درس جديد إلى اللقاء. Au revoir.